Et les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Two Point Hospital sur PC. Donc c'est un jeu qui m'a été offert par ce livre, encore une fois merci à toi, c'est parti pour un tour. On continue notre partie, je sais plus sur quel niveau on est exactement, mais on continue. Là c'est en train de se réparer, c'est bon. On est en train de construire une nouvelle zone pour les médecins généralistes. On est en train d'informer de nouveau, parce que comme vous pouvez le voir ici, ça commence à être chaud hein, à ce niveau-là. Donc, il y a encore des gens qui m'ont resté en train de chercher une poubelle. On va mettre une de chaque côté. Comme ceci. En même temps, je suis en train de me demander si je n'avais pas... J'entends les ding 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 pour me dire qu'il y a du monde continu là qui... Il y a des fois où le système a du mal à se caler hein, au niveau des... C'est une bande d'arcane quelque part, non? Il y a pas? Elle est où? Elle est là. S'il le souhaite. On va rajouter de chaque côté. Un truc comme ça. On va aussi rajouter ceci. Voilà. Allez. Hop là, voilà. C'est pas exactement ce qu'ils veulent. De toute façon, même quand ils ont tout ce qu'ils veulent à portée de main, ils vont pas le chercher, donc... En rayon X, utilise un docteur formé au diagnostic et en radiologie. Ah, il en faut deux en fait, du coup. C'est où qu'ils sont morts? Là, à la suite de ce truc-là. On va attendre un peu parce que la formation est terminée, mais lui n'est pas encore parti. Pour les toxiques organiques, tu veux dire que ça change quelque chose? Parce qu'en fait, je croyais que c'était juste une poubelle qui pouvait accueillir des trucs encore plus efficaces, en fait. Mince. C'est-à-dire qu'il y avait encore plus de capacité ou autre. Donc tu veux dire qu'à partir du moment où je ne pose que ce type de poubelle, il jetterait tout par terre? Ouais, non, tu vois, ils ont l'air de jeter pas mal de choses, hein. Annonce spéciale. 4 sur 7 des patients ont été soignés d'horreur électrique. Nickel! Voilà une bien bonne nouvelle. Alors. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui peut être formé au niveau 2. Tu vas te laisser aller, tension, tension. Mais bon, fais-toi plaisir. C'est pas tous les jours qu'il y a des jeux qui nous plaisent. Et qu'on sait surtout pourquoi on les achète. On va améliorer ça pour que ça aille plus vite. Bonjour l'insecte, qu'est-ce que tu fais là?
9. Est-ce qu'il y a d'autres machines que je pourrais améliorer éventuellement? Là non, là non. Là c'est déjà à fond. Là aussi. On va attendre un petit peu. Oula. Didn't work out so well. I ruined the cake, and I don't think my car will ever be the same. Est-ce que le personnel peut à peu près aller? Je vois personne pour l'instant qui râle pour son salaire, c'est bon. Elle est déjà pleine, embauchée. En même temps, il doit tout être coupé à ramasser ça. Ça peut venir de là. Là, j'ai déjà des bonnes réputations, donc... On va attendre. Ah là là, je suis l'avocat du diable. En dans la salle de médecin généraliste, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Il y a une pharmacie là où il y a... Il y a beaucoup de monde qui attend, donc on va peut-être en construire une autre pharmacie ici. On essaiera de construire une autre salle. Pharmacie, c'est où? J'ai toujours du mal à... Là. Non, c'était pas là que je voulais la placer, la porte, bravo. Mais... Voilà, une petite fenêtre... par ici, par exemple. Hop là, on essaie d'engager quelqu'un d'autre pour s'occuper de... de l'armoire, quoique j'ai mis une fenêtre juste à côté, donc on va placer ça là. Par ici. Le sol en plein milieu, c'est mignon, non? Par contre, c'est pas encore ça en ce qui concerne les décors. Poster de clown. Poster d'anatomie, poster du cerveau, il n'y a pas grand chose dans cette salle là, dis donc. Mec, ça l'a fait décoller pour qu'il se réécroule derrière. Promouvoir. Fumeur, la boîte d'aine, allop. On va embaucher, si possible, un infirmier. Allez, celui-ci. Voilà, on a deux infirmeries. Est-ce que je peux maintenant former niveau 3? Non, je peux toujours pas former niveau 3. Il y a 3 que je peux fermer niveau 4. Je sais pas du tout s'il arrivera sur console, malheureusement. En général, sur le jeu, c'est assez rare quand même que ça débarque sur console. Donc normalement, ça devrait déjà décharger un petit peu ici le nombre de personnes qui vont se donner en pharmacie.
This next song is for all the hospital patients shaken up by that earthquake. Hope all your internal organs are still in the right place. Il faudrait peut-être que j'augmente le niveau des gens qui font un diagnostic, que je prenne un docteur. Elle s'est pas lancée la formation là? Non. Salut Seb, je suis au niveau de la centrale électrique. Je saurais pas te dire exactement de quel niveau il s'agit. En termes de numéro, peut-être 7 ou 6 ou 7. Peut-être 7 ou 8, je sais plus. Mais voilà, on a la centrale électrique qui est juste au-dessus ici. On commence à voir les cheminées. On est en train d'essayer d'avoir la deuxième étoile. Et on a quand même un paquet de gens qui sont en train de crever. Ah mais... T'as terminé le jeu, ça y est? On est loin de la fin là ou pas, du coup? Non pas que j'ai hâte de le terminer, mais c'est pour savoir à peu près la durée de vie, parce qu'à chaque fois on me demande si ça vaut le coup pour 30€. Et moi à chaque fois je réponds oui, parce que je trouve ça vachement sympa pour ce prix là. Après c'est pas moi qui l'ai payé, mais j'ai bien failli craquer. À la moitié, bah nickel. Franchement je trouve que ça vaut 30€, si je suis à la moitié là. C'est ce que je me disais aussi. Les cours, les formations. Non, les formations, c'était déjà avant, il me semble, qu'on a débloqué ça. Notre élixir, nous pouvons l'augmenter. Élixir 1 est déjà à fond. Celui-ci qu'on peut augmenter. Ouais, on va l'augmenter ici. Quand tu auras des formations à faire, oui. Quitter ta partie. Et passer à notre hôpital, c'est ça? Ah, d'accord, il y aura des recherches à faire directement dans la centrale. Ok. Parce que j'aime bien le fait qu'ils améliorent au fur et à mesure... certaines choses. D'accord, merci Sebs pour la précision. Faudrait que j'embauche d'autres personnes qui gèrent les agences de ma sens. Ça pourrait être pratique ce mec-là. Embaucher, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui travaille bien, s'intéresse au commun, aucun, à la carte sur le main, allop. Parce que pour l'instant je reste stable, je continue quand même à gagner de l'argent. Mais c'est les médecins qui manquent le plus. Qui meurent parce qu'on n'a pas assez de salles, ça je pense. Le problème c'est qu'on a eu un débarquement de personnes. Et pour l'instant ça va, on a en cours guérison 3 sur 5, guérison 2 sur 7. I really hate how fashionable Pelican Wharf's gotten these days. You can't order a beer without someone sticking a cocktail umbrella in it. Won't even serve you unless you wear the right brand of clothes. Stay away from those places, listeners. Stay away. 11 000 pour se soigner, quoi, les mecs. 4 plus qu'un pour souffrir de maladie génétique. Et on devrait être bon. Ils en sont où, là? Niveau 3. Ça va quand même pour l'instant. Je trouve qu'on se sent pas si mal. Bon, lui, il risque encore une fois de nous dire que c'est dégueulasse comme hôpital, mais bon, tant pis. Là, mission accomplie. 4 sur 5 patients soignés, donc ça c'est bon. Même si c'est pas du maximum, toujours ça de prix. C'est où que ça meurt le plus là pour l'instant? C'est là dans ces coins là. Là. Nurse needed in ward.
Faudrait que je prenne pour habitude de faire un bureau de généraliste dans chaque bâtiment en fait, pour être un peu plus tranquille. Parce que là, pour l'instant, on galère quand même, je trouve. On va essayer de faire un radiologue ici. Commencer une petite mission, d'accord. En fait, là, ce qui m'a surtout perturbé dans ce niveau-là, c'était le fait que le décor soit vachement étriqué, en fait, que tu dois organiser tes salles. C'est très perturbant. Tu t'y attends pas forcément. Je crois qu'on va mettre d'autres salles de soins, enfin de médecine générale. Parce que là, ça, c'est limite quand même. Bon, normalement, c'est bon, on aura gagné pour ça. Pour les patients d'horreur électrique. Parce qu'il y a vraiment que ça là qui pose souci ici. Le reste, c'est bon. Comment ça, les couleurs des salles? Qu'est-ce que tu veux dire par là, les couleurs de tes salles extérieures? Qu'est-ce qu'il faut remarquer là à ce niveau-là? Même équipement. 6 sur 7, allez hop, c'est chaud, c'est bon, on les a eu. On n'arrive pas à faire réduire le nombre de personnes qui débarquent. Là, j'ai l'impression qu'elle, elle sert absolument à rien. Sentirait mieux avec ça. Voilà. Alors, mot brillant 5 fois et n'a pas arrêté de travailler à ses recherches depuis. 500 points de recherche. Parfait. En fait, finalement, notre hôpital n'est pas si dégueulasse que ça, c'est juste qu'il est compliqué de soigner tout le monde. Mélangeur de médicaments. C'est lequel, le mélangeur de médicaments? Ah, là-haut. Celui qui est là-haut. On va attendre pour améliorer les machines, parce que sinon ça va être chaud aussi, là. Bah, j'attends déjà qu'on passe à l'étoile suivante, parce qu'il manque pas grand-chose. Là, il faudrait juste qu'on arrive à soigner des gens, et ça serait bon. C'est pas bête, c'est... Est-ce qu'on a des gens? Les gens ont trop de chemin à faire en fait aussi, pour passer d'une zone à une autre. Donc on a quand même beaucoup de morts du coup. Mais c'est vraiment les médecins généralistes qui vont se... Alors qu'au début ça avait super bien commencé, les médecins généralistes, on était cool là. Puis là d'un seul coup, on sait pas pourquoi, ça s'est accéléré, et tout le monde a besoin d'un. En fait, je pense plutôt qu'il faudrait que je mette une salle de médecin généraliste dans chaque zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter, là?
Ah, c'est là-dedans qu'ils ont donné un... Ok. Traitement soit proche de l'hypore. Là, on peut difficilement faire plus proche à ce niveau-là. Ils ont quasiment tout ce qu'il faut dans ce coin-là, autour de l'hypore. Mais merci du conseil en tout cas, ça fait vachement plaisir. En gros, t'as les hyper ici, et les doublons des salles sont par là-bas. Tu vois, on a plus de salles diagnostiques ici, finalement, qu'autre chose. Oula. Effectivement, il fallait vite le réparer, ça. Donc là, la pharmacie, on a une là. Donc si jamais il veut aller à la suivante, effectivement, elle est loin. Mais sinon, la plupart des trucs dont on avait besoin, c'était ça, 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 ça et ça. Donc c'est bon. Enfin, pour moi, c'est bon, quoi. Les héliports sont méga loin, mince. D'accord, c'est bon. Il faudrait juste qu'on arrive à soigner 2-3 personnes de plus là et on pourrait passer au niveau suivant. C'est étonnant qu'on ne soigne quasiment personne en labo ADN. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Faites voir, c'est quoi ça? De gènes de gens parfaits, c'est ce qu'il nous fallait. Ouais, mais c'est ce que je me dis que je vais faire au final parce que c'est un peu embêtant là tout ça. Ce problème, c'est que j'ai pas vraiment de médecin supplémentaire. Quoique, je peux embaucher 2 docteurs en plus là. Je vais attendre que ça soit terminé ici. Là, il y a 13, 12, 12. Ça fait quand même un paquet de monde en attente, mais. Attends, fais voir. Neuf salles, longue attente, 8 personnes. Donc, ça va, on est quand même mieux que dans les précédents niveaux par rapport à ça. Alors en fait ça se passait bien jusqu'à ce qu'on achète ces 2 terrains supplémentaires. D'un seul coup il y a eu plein de monde qui a débarqué et ils crèvent tous. Petit à petit parce que j'ai l'impression que... Tu regardes là. Pourquoi il n'y a personne ici d'ailleurs? Bizarre ça. À quoi je pensais? Si embaucher 2 nouveaux médecins. Voir. Alors, est-ce que c'est pire ou mieux qu'avant? Toujours le même problème, on n'a pas 0 mort. Il y a quand même des gens qui attendent là. Là, il y en a. Si, il y en a 2-3 qui arrivent. Donc, c'est les premiers qui débarquent là, qui sont problématiques. Bah je crois que j'ai eu une ou deux fois seulement depuis le début de la partie. Donc ça me perturbe. Alors... Toi je t'embauche. Et toi je t'embauche. Et tous les deux, je vous forme... Médecin généraliste 1. Commencer, donc les voilà. Toi, tu viens là, s'il te plaît, voilà. Juste pour qu'il soigne, voilà. Welcome to another edition of Ricky Hawthorne Speaks in Between Bits of Music.
Ah bah c'est on l'a eu. Yes. Chaque directeur d'hôpital, hôpital 2 étoiles. Félicitations, le ministère de la Santé de Tupan Kunti a attribué 2 étoiles à votre hôpital. J'ai entendu dire que votre Franken hôpital s'agrandit et je vous demande de garder cela sous contrôle. De plus, vous devriez surveiller la stabilité du sol de temps en temps. Il y a eu des faiblesses par le passé. Bon courage, continuez de jouer avec le feu pour obtenir le plus ample récompense ou fouillez cet endroit pour étendre votre organisation. Mes flagrantes salutations, continuez. Alors, quels vont être les prochains objectifs ? Améliorer 15 machines, mais comment ça va être chaud ça? 40 patients au labo ADN. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, copier. Oh, pire zut. Mettre ce qu'on avait sur les côtés là. Toc. Par contre, je sais pas si toi c'est pareil, mais j'ai toujours l'impression qu'ils sont pas pressés les mecs. En fait, quand je dis pas pressés, c'est-à-dire que ils font pas l'effort de. Non, mais je suis en train de faire de la recherche. Comme ça, moi, je sais que je les aurai pour les prochaines fois. Là, j'ai mis recherche 4 pour que ça soit plus pratique, mais... Faut voir un peu si... Parce que notre niveau de mort a lui tellement augmenté entre-temps. Patient, on a 230 personnes décédées pour 571 guérisons. Donc ça fait au total 278 personnes, j'ai l'impression qu'ils sont mortes. Donc ça reste quand même correct. Au niveau du ratio. Moi ouais, j'aime bien laisser la vitesse normale du jeu. Cinq salles de recherche, ça allait méga vite. Non mais j'aime bien attendre. J'aime bien quand ça avance lentement. Par contre, peut-être qu'il faudra une deuxième salle de recherche, enfin de formation. On va aller voir si on a... C'est pas ça que je cherchais. Tout confondu, un qui est mécontent, voilà. Deux mécontents. Trois. Quatre. Cinq. Hop là. Et 4 sur 5 patients, la boîte ADN, nickel. Ça, on a de l'argent en marge pour l'instant, donc c'est pas la fin du monde. Je suis sûr qu'il y a un succès avec ça. Si je le fais. Tu rentabilises pas beaucoup tes parcelles, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu appelles rentabiliser? Inspection santé, hop là. Thank you.
Il y a Mixer qui me dit qu'il serait peut-être temps que je me prenne une pause. Ça va, pourtant que ça fait 6 heures qu'on est en live. Mais bon, dans 10 minutes, on va s'arrêter, je pense. J'irai travailler sur autre chose, il est 3h30. Ça commence déjà à faire tard. Promotion du personnel, promouvoir. Non, non, c'est pas le même tableau. Il y en a 3 différents. À chaque fois, je crois que t'as bronze, argent et or. Donc, je mets le même tableau. Ah, le niveau 5, d'accord. Ce que tu voulais me dire, en fait. Moi, je varie un petit peu les plaisirs à ce niveau-là. Et je mets 3 différents, en fait, à chaque fois. Mais là, pour certains bâtiments, j'ai mis, par exemple, tu as les serveurs pour que ça monte très vite, et puis basta, hein. Je suis pas cassé la tête. Elle est toujours super occupée. Je vais me mettre le même 30 fois. Est-ce que ça change vraiment quelque chose d'accélérer le... Enfin, d'avoir des trucs de niveau 5 à chaque fois? Parce que la prestige, on s'en sort quand même déjà très bien. Encore une fois, c'est embêtant parce que même avec ces gens-là qui sont arrivés, on n'a pas assez pour couvrir l'arrivée de personnes dans l'hôpital. D'accord, Seb. Merci pour l'info. Encore. Ouais, mais là, c'est long. C'est un peu agaçant de construire 50 fois la même salle, quoi. Surtout qu'il faut les médecins qui vont avec, hein. I just looked out of the window and saw a monkey riding a moon bear. Est-ce qu'on a encore les docteurs? An advertising campaign for the Suc du Parfait. I'll find out more while you listen to this cheeky little number. Si j'essaye de monter en niveau 2 ou 3. On va faire ça. Comida, je crois que je l'ai pas encore. Au moins que tu parles simplement de manger miam quoi. Pam pam pam, élément. Mettre pause, temps de poser ça. Un grand radiateur ici. Un grand radiateur là. Puis tant pis s'il s'ennuie un peu. Face, on va leur mettre des poubelles. Là, pas loin, ils ont du miam, normalement. On va leur mettre une petite bibliothèque, un petit machin pour qu'ils puissent se détendre. Mince. Voilà. Plan pour que ce soit plus joli quand même. Voilà. D'accord, ok. Mais du coup, t'es comme on dit. C'est quoi ta langue natale? Parce que si c'est l'espagnol, punaise, je t'en sors super bien, hein, en français, je trouve. Les bandes d'arcade, y'en a là, par là. Ça, là. Jeu d'arcade.
Français de Belgique, d'accord. Non, mais on sait jamais, hein. Tu aurais pu être espagnol de souche, et enfin, du moins, en tout cas au niveau de la langue, et avoir un tel niveau en français, ça m'aurait impressionné, punaise. D'accord. Est-ce que j'avais amélioré, je crois, mon infirmerie ou pas? Je crois que j'avais attendu exprès, justement. Ouais, c'est bon. On est où au niveau des médecins, docteur? Oui, ils m'embêtent, là. J'aimerais bien trouver des gens qui ont rien sur eux. Pour que je puisse vraiment continuer à améliorer. 400 000! Elle veut que je gagne 400 000. Ah, par contre, je suis dans le moins, là. Par contre, c'est pas joli, joli. Local boys done good. 15 machines, ça va être tellement compliqué. Bon, par contre, là, ça, il semblerait que ce soit bon. On va pouvoir retomber sur quelque chose de propre au niveau des personnes qui viennent. Hey! C'est gentil, Sebs. Merci beaucoup pour cet abonnement. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. Installe-toi confortablement en espérant que tu te plairas par ici. Encore merci à toi. Par contre, hop, faire disparaître ça. Là, c'est pas encore au max, là non plus. Lui, on l'a déjà amélioré. A plus! Bonne soirée, fête Boré. Merci de passer. Enfin, bonne soirée. J'imagine que t'es peut-être pas tout à fait dans la nuit, là, pour l'instant, toi encore, je sais pas. En tout cas, prends soin de toi, fête Boré, et à la prochaine. Bonne fin de journée. Et merci beaucoup, et pour l'abonnement, et pour ton passage, et pour les conseils. C'est plaisir. On n'a que de ça, des bureaux de généralistes. Par où puis-je passer là? Là. On va leur mettre de quoi grignoter un peu quand même, parce que... Sinon c'est pas joyeux pour eux. Voilà. Bon, ça a de se tasser là au niveau des médecins généralistes. Et donc s'il y a du mieux à ce niveau-là, on devrait pouvoir réussir à s'en sortir ensuite. Doum, doudou, doum, doum. Je dois chanter super faux. Par contre, j'y pense, personnel. Pour ça, c'est bon d'embaucher personne de plus. Est-ce qu'on a des gens ici qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent? Voilà, lui par exemple. Toi, je veux que tu ne gères que la pharmacie. Et c'est tout. Voilà. Alors ensuite ici, on laisse comme ça. Et eux là, c'est le gros bordel, mais tant qu'ils font le boulot, ça me dérange pas. Allez, promotion, promouvoir, 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 promouvoir. Je crois que j'ai tout accepté là. Souffrant de fractures. Bah, espérons que ça va le faire pour les fractures, on verra bien. Modern art, eh? Me, I like my art simple and monkeyless. Just like this next song. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Mais celui-ci. Alors, faut aller aux toilettes là aussi.
Sans beaucoup à patienter, il nous faut des toilettes. Salle. Toilettes. Super. Comme le jeu ramène, il m'a pris n'importe quoi en compte. Je les vois courir les mecs pour essayer d'aller chercher les toilettes, donc je me dis que ça pourrait leur faire du bien d'en avoir ici. Alors on va mettre un petit radiateur comme ceci. Ça devrait suffire avec des belles plantes. Comme ceci, et je pense qu'on peut rajouter encore un lavabo avec un sèche-main. Voilà. Un petit extincteur, même si je suis pas sûr que ça va grand chose ici. Voilà. Alors, demande de formation. Pas encore. Voilà, on y est. Alors, un hôpital incroyable, voici un établissement qui ne contente pas de prolonger les vies. Donc on va dire oui, je le veux. On a encore des morts par-ci par-là hein, quand même, mais... Et c'est encore plein. Hein. Là-dessus. Fumeur, la boîte d'aine, ouais, on peut. Promouvoir. That's why you need Jumbo Security Systems. We'll fill your house with cameras, watch your every move. Hello. Hey, buddy. And even recommend what products to buy based on your behavior. This is great. Jumbo. We spy because we can. C'est chaud quand même, hein. Bref, de toute façon, on va s'arrêter ici pour ce soir, je pense. Je vois pas vraiment d'autres salles où il y a de l'attente, à part ici en pharmacie, mais c'est bon, ça vient de se lancer. Parce qu'il y a personne qui s'en occupe, c'est pour ça. Non, ce que je veux savoir, c'est toi, t'es quel niveau? Niveau 2. Normalement, on va quand même pas trop galérer, je pense, pour avoir cette troisième étoile. On verra bien. Hop, on s'arrête ici. Donc, j'espère que cette soirée de live vous a plu, ou du moins plutôt cette rediff pour l'instant. Merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir participé. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstejeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde. Salut !